Les faits sont encore présumés, mais suscitent déjà l'indignation de certains membres du personnel de la prison de Bemao. Une éducatrice spécialisée est suspectée d'avoir entretenu une relation intime avec un détenu. Une complicité potentiellement dangereuse, signalée par certains agents pénitentiaires, inquiets pour leur sécurité. C'est souvent, il était vers 2 heures avec le même détenu, il s'enfermait dans un box. Le personnel pénitentiaire a signalé, a fait des comptes rendus professionnels pour dire qu'il y avait un souci. Comme elle, c'est une éducatrice, en tant que personnel de surveillance, on n'a pas à aller intervenir dans son travail. Si elle veut passer 2 heures avec la personne, elle peut passer 2 heures avec la personne. C'est déplorable que des gens arrivent dans la pénitentiaire, personne qui a été jugée par un manipulateur, par un détenu. Donc elle n'a pas le bagage de discernement pour pouvoir bien ce genre de type de comportement de détenu. Ça peut être dangereux que dans la mesure où le moment qu'une personne est entrée, quelle que soit la personne, commence à être corrompue, commence à faire entrer les choses en prison, elle peut faire entrer n'importe quoi. Donc aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'elle a fait entrer. Mais en tout état de cause, ça reste dangereux puisque la personne peut faire entrer une arme, un couteau, une arme à feu, comme si elle y a produit dans d'autres établissements. Une enquête est en cours pour déterminer si des objets seraient entrés grâce à cette complicité. Un téléphone aurait été retrouvé lors d'une fouille. Le détenu concerné est incarcéré depuis plusieurs mois pour meurtre.